Québec a renoué avec une belle tradition aujourd'hui. C'était le premier défilé de la Saint-Patrick depuis 1926. Une occasion pour les descendants d'Irlandais, qui sont très nombreux dans la région, de célébrer leurs racines. Catherine Lantier. Même les policiers de New York sont venus célébrer la Saint-Patrick à Québec. Une tradition vient de renaître dans la capitale. Ils sont venus par milliers. Un succès pour cette première en 84 ans. Oh! On a la plus belle ville du monde. À Québec, environ 40 % de la population aurait du sang irlandais. Ce défilé aura donc été très couru par de nombreuses familles, fières d'afficher leurs racines. C'est merveilleux parce que depuis qu'on est jeune, moi, je me sentais queen, mais là, aujourd'hui, c'est plus encore. Nous autres, on est la famille Lynch, une des plus vieilles de la ville de Québec. On est ici depuis 1805. Ici, dans l'auto, on a trois générations de Lynch. Ton grand-papa? Oui, mon grand-papa, oui. Irlandais? Ouais. L'esprit est à la fête, au costume, et attention, personne n'y échappe. C'est super qu'ils ont recommencé la parade. C'est juste assez pour démontrer comment on est encore présent. J'avais tout le temps espéré puis avoir une St. Patrick's Parade, ramasser un coquelicot ici, puis tu sais, toutes sortes de petites choses d'un côté de l'autre. Puis aujourd'hui, c'est notre fête. Les cornemuses et le vert fluo ont envahi les rues de Québec, tout pour célébrer les traditions irlandaises, même pour célébrer. Le chien emblématique de l'Irlande. Alors, tout parade de Saint-Patrick. Ils sont durs à contrôler. Ouais. La tradition des défilés de la Saint-Patrick a cessé dans les années 20 à Québec en raison, entre autres, de la Grande Dépression. Arrivés majoritairement après la conquête, les Irlandais s'étaient établis dans ce secteur du Vieux-Québec. Aujourd'hui, ils sont partout et encore si nombreux que le défilé reviendra assurément l'an prochain et peut-être sera-t-il encore plus imposant. Catherine Lantier, Radio-Canada, Québec.